Le biographe de Meghan Markle, Omid Dskobi, a supprimé un tweet controversé qui se moquait du prince Andrew et de sa famille en comparant un portrait d'eux en costume d'époque au drama succès de Netflix, Bridgerton. Le biographe du duc et de la duchesse de Sussex a tweeté une photo de la famille York vêtue de tenue à thème victorien jeudi soir. L'image a été partagée dans le cadre du même I am gonna tell my kids, où l'affiche partage une image d'une certaine célébrité ou d'un objet, alors qu'un fessier est-il loin de la célébrité ou de l'objet réel mentionné dans le tweet. Monsieur Dskobi, qui a co-écrit la biographie royale Finding Freedom, a accompagné son cliché du prince Andrew, de Sarah Ferguson et de leurs deux filles, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, avec la légende « Je vais dire à mes enfants que c'était Bridgerton ». Le cliché lui-même date du 18e anniversaire de la princesse Béatrice en 2006, où les célébrations avaient un thème victorien des années 1880. En conséquence, la famille arborait de beaux costumes d'époque semblables à ceux portés par le casting du hit de Netflix Bridgerton. La deuxième saison du drame de style Régence a récemment battu son propre record pour devenir la série en anglais la plus regardée sur Netflix. Point selon Deadline, la série de l'ère Regency a totalisé 627,11 millions d'heures de visionnage sur Netflix sur une période de 28 jours, dépassant de peu la saison 1 qui comptait 625,49 millions d'heures de visionnage au cours de la même période. Le drame se déroule à l'époque de la Régence en Angleterre et suit l'histoire de huit frères et sœurs très unis de la famille Bridgerton alors qu'ils tentent de trouver l'amour. Qualifié de fantasy historique par certains, les costumes du spectacle sont largement salués car les silhouettes des robes de l'époque Régence sont l'un des aspects les plus précis du spectacle. Monsieur Dskobi a tweeté le même à ses 82 600 abonnés. Mais peu de temps après, le message a été supprimé. Un utilisateur de Twitter a souligné que M. Dskobi avait peut-être supprimé le tweet en raison de son nouveau poste. Jesús Enrique Rosas, qui dirige la chaîne à succès The Body Language Guy sur YouTube et commente régulièrement la famille royale, a partagé une capture d'écran du même de M. Dskobi a affirmé que le commentateur royal visait à être un chat de cool avec son message. Cependant, il souligne que le même a été publié deux jours seulement après qu'Omid Dskobi a annoncé un nouveau partenariat de contenu avec Yahoo! Nouvelles. Monsieur Dskobi a été embauché par la société pour occuper le poste de rédacteur en chef exécutif de Royal, et dans un tweet décrivant son nouveau rôle, il a déclaré qu'il travaillerait sur des podcasts originaux, du contenu vidéo et donnerait mon point de vue non filtré sur les grandes histoires royales chaque semaine. Ressus, l'analyste du langage corporel, a souligné que lui aussi commente la famille royale sur sa chaîne YouTube mais ne rend pas compte au patron de la même manière que M. Dskobi. Il a dit que parce qu'il ne sert aucun maître, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut publier. Sa réponse au même comprenait également un jeu de mots pour la biographie qu'il a écrite sur le duc et la duchesse de Sussex. Ressus a écrit « Je comprends Omid. Il a essayé de jouer la carte cool chad en faisant des mèmes royaux. Le problème est si ses patrons le permettent. Si est-il pourquoi il a supprimé le tweet. Mais pour un rogue royaliste comme le vôtre qui ne sert aucun maître, les mêmes ne connaissent pas de frontières. Je suppose que j'ai trouvé la liberté. Les adeptes du YouTuber ont porté un nouveau coup à M. Dskobi en affirmant qu'il manquait de connaissances en histoire. Un utilisateur appelé BA a écrit, en tant que journaliste royal, on pourrait penser qu'il aurait des antécédents historiques, sic. Bridgerton se déroule à l'époque de la Régence de 1814. Différentes robes, celles que Sarah et les filles portent sont de la mode des années 1880.
point alors qu'un autre utilisateur appelé Johanna a écrit « Je ne pensais pas que c'était drôle du tout ». Point sur la photo du tweet supprimé de M. Scobby, la fille d'anniversaire est photographiée vêtue d'une robe en taffetas de soie bleue de 10 000 livres qui a été transportée par avion depuis New York. Sa fête consistait en un dîner de gala et un bal masqué au château de Windsor. Le thème de la fête était un clin d'œil à son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Victoria, d'après la plus jeune fille dont elle a été nommée. La duchesse d'York et sa fille cadette, la princesse Eugénie, ont choisi de compléter les tenues de la fille d'anniversaire en portant des crèmes et des bleus avec des robes de Barbara Matra. Malgré les rumeurs circulant à l'époque selon lesquelles la reine assisterait au moins à la partie dîner de la célébration de 400 000 livres, le monarque et le prince Philippe se sont plutôt rendus à Sandringham pour le week-end. We'll be right back.